Vous savez que nous sommes dans un moment de jeûne. You know that we are in fasting period. Depuis le 5, on avait lancé un moment since de jeûne. The 5th, donc peut-être n'ont pas pu le faire parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Ok. Mais nous sommes aujourd'hui le 13e jour de jeûne. Parce que Dieu nous a demandé de faire un moment de jeûne. Nous sommes en train de prier pour rentrer dans certaines grâces. Surtout que le monde de août, c'est un moment de jeûne. Pour l'église, fasting month for the church. Ce moment de jeûne a été inspiré par Dieu. That this has been inspired by nous sommes en train de revendiquer des choses. We are revealing Dieu nous donne des choses. God must give them. Et que nous entrons en possession des choses. C'est important. It is important. C'est pas comme aller au ciel. Les promesses ne s'accompliront pas dans la tombe. C'est de nos vivants. C'est de nos vivants que les promesses pourront s'accomplir. Alléluia. Donc il faut que ça s'accomplisse. Il pèse sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. Amen. Amen. Voilà le thème ce matin. The theme this morning. Avoir la foi en Dieu. Having faith in God. Et croit son avenir. And trust his future. Amen. 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 Ça affecte beaucoup de personnes. This affected too many people. Ça affecte beaucoup de gens. This is scaring too many people. Les gens ne croient pas en Dieu. People do not trust in God. Ils ne croient pas leur futur. Leur they do not believe in their future. Or, si tu ne crois pas ton avenir. If you don't believe in your future. Mais c'est dangereux. This is really dangerous. Parce que Dieu c'est le futur. Because God is the future. Il va toujours te dire demain. He always will tell you tomorrow. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. I'll make your name great. God is the one. Il pense toujours à demain. The one who thinks about the future. Only le thinking about the future. Our pain, the pain of passion. We do not know how to think about the future. On vit le jour le jour. We're living daily. Pour composer avec Dieu. To be with God. Il faut voir comme Dieu voit. You need to see the way that the way God sees. Abraham n'avait pas un enfant. Abraham did not have a kid. Quand Dieu a changé son when nom. God changed his name. Au lieu de Abraham. Instead of Abraham. Dieu dit Abraham. God said Abraham. Il dit père d'une multitude de nations. Father of a nation. Frère. Brother, vous marchez avec quelqu'un. To work with someone, vous devez voir de la même manière. You need to have the same vision. Walk in the same way. Vous devez voir de la même manière. You need to see them the same way. Et dit deux personnes marchent ensemble. Two persons working together. When they have the same vision. Donc si tu veux marcher avec Dieu, work with God. Il faut voir comme Dieu voit. You see like God. Amen. Amen. Did you catch me? Let me develop. La Bible dit quoi? The Bible declares. Recommande ton chant à l'Éternel. Give your prayer to the Lord. Et mets-lui en lui d'abord. Chant. The present. Mais the il ne faut pas confiance. But we don't trust. Parce qu'il veut que ça soit du tic au tac. To be on the spot. Dieu peut être silencieux. God can be silent. Ça n'a pas dit qu'il t'appelle, je sais. It states of the et topic quoi? Presentation. Et la foi, c'est quoi? And the faith. On dit, what elle est faite. To have a real subjection. Là, je ne te décourage jamais. You won't donc celui qui en parle d'ordre n'a jamais eu de foi. So the one will give us, celui qui se décourage n'a jamais eu de foi. Never have faith. Avec la foi, on n'abandonne jamais. We never give up. Amen. Amen. Qui n'a pas vu Jésus? Who has already? Qui n'a pas vu le ciel? Have you even seen Jesus? Moi, Jésus dans ma vie. Qui a une fois vu who le has ciel? Ever seen the mais nous tous nous croyons que ça existe. That we all trust that it exists. La même manière que tu crois comme ça, pourquoi tu ne crois pas? Dieu peut te guérir. Why don't you think that? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut changer ta situation? Why don't you think that God can change your situation? C'est ça que la Bible dit. Reconnais ton chant à l'Éternel. If you trust to the Lord, this is the first part. Mets en lui ta confiance. Trust him. La dernière partie, il agira. It will last. Nous recommandons le chant. But you don't give your trouble. On ne lui fait pas confiance. But we don't trust him. Pourquoi? Why? Pourquoi? Why? Dieu ne fera plus. God will Dieu do appelle les choses qui ne sont pas comme ça de faire. Dieu m'appelle laissé à Abidjan. J'ai commencé à Abidjan. I started in Abidjan. Dieu m'a dit laisse, va au village à Zaropo. Frère, faut avoir la foi de Dieu. Brother, you need to have faith to go in villages. Voilà, voilà foi. You should have faith. Mais la foi, j'avais foi en Dieu. Trust in God. J'ai répondu. I answer it. J'ai confiance au Seigneur. I trust the Lord. Je sais ce qu'il m'a dit. I know what he told me. Et tout ce qu'il a dit là. And everything he said. Parce que la foi nous amène à oser. Because one, you need to try. Et la foi doit pas te faire abandonner. You must never give up. La foi, so have faith in God. Je crois à son avenir. Veut dire nous rentrons dans la vision de Dieu.
we are in the vision of God. Okay. Nous prenons la parole de Dieu. Let's take God's words. Dans Jérémie le chapitre 29. Chapter 29. Qui est venu ce matin? Who was blessed this morning? Je vous ai dit dans l'église il y a deux formes de gens. Il y a des gens qui viennent comme des spectateurs. Il y a des gens qui viennent chercher le Seigneur. Some come to ceux qui sont venus. Check the Lord. Amen. Amen. Si tu crois, reçois la bénédiction de Dieu sur toi. If you trust, si tu crois, reçois ta délivrance. Receive your deliverance. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Jérémie le chapitre 29. Jérémie chapitre 29, partie du verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. For surely I know the plans I have for you. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Plans for you. Voilà. Plans for your welfare and not for harm. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous voyez, il dit enfin de vous donner de l'avenir, qu'on a béni. Vous voyez, Dieu même se soucie, c'est-à-dire se soucie de notre avenir. He wants our future. Dieu parle de notre futur. He's thinking about our future. Le projet de Dieu, the plan of God, c'est un projet de paix et non de malheur. A plan of peace, not for misfortune. Amen. Et la Bible dit, and the Bible declares, il a des efforts que de nous, et d'être en paix avec tout le monde. To be in peace with the people. Let me give you a testimony. Nous allés à Isia, we went to Isia in the village. Le frère, un frère seul qui a perdu son frère. The brother who was et mon fils spirituel. His brother is my spiritual son. Il a Sergi, Pontoise, Pontoise, à 45 km de 45 km from Paris. Voilà, c'est mon fils spirituel. Is my spiritual son. On s'est vu à Paris. We met in Paris. He talked about it. Lui m'a remis les funérailles. And he gave me the organization of the burial. C'est pas mon village. But it is not my village. C'est pas mon fidèle qui est mort. It's not my fellow guy. J'ai une révélation derrière. That time, there is a revelation beyond. Parce que le monsieur, le frère en question, died, il a été tué en sorcellerie. I've been killed with witchcraft. How? Le monsieur qui l'a tué parce qu'il avait mort. The one who killed him confessed. Et le monsieur en question, celui qui gérait les 15 hectares de l'église du frère. Gabby mastering the hectares of. Et le monsieur qui est mort, il a été ensommé. And the one who il a saigné du nez, il est mort. I've been killed. Et le même type a tué deux de ses frères. Et donc il est passé aux aveux, il a parlé, il a demandé en prison à Daloa. He has told, he confessed, so et on lui dit, voilà, voici la vraie histoire. C'est ce que je parle dans les détails. Les baptêmes, moi, il y a des gens, je vais dire, je ne suis pas trop rentré, allons-y, on soutient le frère. Let's go and support the brother. Ou pas, je vais vous donner d'autres esprits, pensez, c'est moi celui qui avait la révélation. Donc le frère, le monsieur a dit, brother said, la prochaine victime, c'est lui. The next victim is him. Vous aussi, il ne ferait que lui-même le funérail au prophète. So that's why he gave me the burial. Il lui dit, c'est pas mon fils là, il dit, non, c'est le maréchal de la brigade, je suis menacé de mort. Mets-toi des lois. Donc on a ramassé tout le monde. On est descendu. Together, tout. Les gens disent non. Ils ne veulent pas ça ici. They don't want it here. Pourquoi ça monte qu'on fait les funérailles? Why is it the prophets? C'est le prophète. Mais celui le financier. Hein? Eh, Dieu pas, mais celui qui donne, hein? Is the one who was given, that the, it didn't want. So, tout le monde m'écoute. So everybody was. Je suis venu doucement. Jeremy. Après, ils m'ont donné la parole, ils m'ont pas réalisé. They didn't give me the word. Je suis assis. J'étais assis avec le président. Je dis aux gens, restez tranquille. And I told the people to be. Ce que les gens doivent répéter de nous, la sagesse. What they have to receive from us. Écoutons-les. Dès qu'ils me donnent la parole, Dieu donne la sagesse. On va intervenir. Okay, to intervene. Je vais dire à Dieu, le Seigneur. D'abord même, ils ont bloqué, ils ont installé leur propre musique. Orchestre. They stopped everything. J'ai eu écho de tout ça. With their own. Moi-même, là, c'est pas mon fidèle qui est mort. It is not my fault. Mais vous voyez, but my la seule personne qui m'intéresse, c'est mon fidèle. The only one person that I'm interested in is my fellow. Donc ils m'ont demandé une nouvelle. Il y a même qui parlait là, qui parlait, qui m'a donné la parole. Dit lui, l'organisateur des funérailles. Is the organizer. Et que quoi de notre père, dit spirituel, d'ailleurs, il m'a donné ma place. And you mais il a parlé directement.
Moi, j'ai fait quoi aller dans les funérailles? Moi, il y a temps, aller dans les funérailles. Et puis, funérailles, puis on boit bien, on boit tout pour le souligner. Moi, j'étais allé aider le frère, on profitait parce que derrière ça, on avait une évangélisation. J'ai vu myself, l'esprit, l'atmosphère. J'ai eu la sagesse. Sinon, like all the wisdom, si ce n'est pas sage, d'aller faire bras de fer avec eux. Mais inutilement. For who be? Ok. J'ai dit au frère, and I said to le mon fils a dit, il me présente en tant que l'organisateur. Donc moi je le regarde, il dit, attends, c'est pas mon village. Donc les gens sont choqués. So, je les ai choqués. Parce que pour les choquer, pour qu'ils m'écoutent. Donc tu me donnes la salle, il les choque. C'est pas mon village, donc tout le monde a commencé à me regarder. So, je lui touche, mais il dit, c'est pas mon village. It's not my village. Et puis il touche mon fils, il parle à lui, il dit, mais ton frère mec est mort là. Your brother who died. C'est pas mon fidèle. It's not my fellow. Donc c'est pas, c'est, on peut créer des polémiques ici, par là, par là, par là. Create troubles here. Non, moi je suis là pour de toi. I'm here because of you. Dans les funérailles au village. In the burials to the village. Et puis toi, j'ai mon fidèle. Et je suis venu te soutenir. I just come to support. Donc lever la main, dit, voilà, c'est maintenant que tu as parlé. Yes. On reçoit ça 5 La sagesse. Wisdom. Il faut créer une atmosphère. Quand j'ai déclaré la prière la matin, tout le monde est sorti pour m'écouter. Everybody came out. Et puis j'ai prêché l'évangile. Proprement, j'ai prêché mon évangile. Et je suis pas venu faire bras de fer. I didn't come to dans funérailles. Mon objectif c'était d'annoncer les morts. Was to prenez vos funérailles, faut quoi? Laissez les morts, tenez les morts, c'est pas mon problème. So donc, la, souvent, ayez la sagesse. So, have, pour créer des atmosphères de paix. Peaceful autour de vous. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes. It can be trouble. Amen. Amen. Dieu dit, God says, le projet qu'il a pour the toi, plan that he has for c'est un projet de paix. Is a plan for et non de malheur. Not for me, donc tu dois te poser la question. So then you need to ask c'est qui t'arrive aujourd'hui? Pourquoi les choses t'arrivent? Pourquoi les choses bizarres t'arrivent? Why difficult things are? Alors ce qui va nous intéresser? What will interest us? Dans ce passage. In this passage. Il dit pour te donner de l'avenir. To give you a future. Amen. De l'avenir. Future and hope. Vous comprenez? Dis à quelqu'un de l'avenir. Say never. Quand on parle de l'avenir, c'est quoi? When you talk about future. On parle de ton futur. We're talking about your future. Combien sont ceux qui how many people are thinking about their future? Vous allez me dire, prophète, you say, prophet, oh papa, moi je pense à mon futur. Yeah, I think about my future. Vous savez ce qu'on appelle quelqu'un pense à son futur? Do you know what vous, it means? Vous savez ce qu'on appelle quelqu'un pense à son futur? Vous savez ça? Future? Quand tu veux aller loin, when you want to go il faut oublier ce qui est passé. You need to forget what. You need to forget about the past. Si tu veux aller loin, if you want to go ahead, faut oublier ce qui est passé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. 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 Alléluia. Amen. Don't go from they s'habituent, je vais passer. They are only faking it. Moi-même, les sociétés me fatiguent. Moi-même, je vais faire comme ça. Moi-même, les démons, the les sociétés me mangent. Those friends always attacking me. Les sociétés sont contre moi. Depuis ma vie est comme ça. Since my life is this way. Amen. Amen. Frère. Brother. Il faut composer avec la vision de Dieu. Les chercher pour attaquer. Mais ils ne pourront plus t'attaquer. Dis amen. Ils ne pourront plus t'attaquer. Moi, un futur glorieux avec Dieu. Moi, un futur glorieux avec Dieu. Si tu t'appuies sur ton passé, if you fuck tu t'es loin de toi. God will go far from you. Dieu will go far from you. Il faut voir comme Dieu voit les choses. To see the way God sees things. Vois-toi dans le futur. Think about the future. See about ce que tu veux être demain. What you like to be. C'est ça qui doit t'intéresser. This must interest you. Maintenant, organise le système autour de toi. The system around you. Pour posséder le futur. To possess the future. Parce que le futur là, because the future, ça s'organise. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui dit il va construire une maison. Vous pouvez parier là. Combien? Il faut travailler. First. Did it work? Faut avoir un terrain, merci. Faut avoir un peu l'argent pour acheter un terrain. Mais j'aurai une maison. Comme ça va descendre du ciel.
Voici ta maison, elle est la clé. Et sinon, ta prière, elle est la clé de la maison. Toi-même, pour là-bas, dormez dedans. Tu vas voir ça comment vous faites. Tu vas voir comment vous faites. You'll see the house. Amen. Quand tu peux aller dans le futur, c'est pas toi. Like to be in the future. Des choses qui vont te déranger. Be prepared for things for trouble. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Did you catch me? C'est ça le problème avec les gens. That's the trouble. Ils n'ont pas la vision du futur. They don't have the. Ils ne croient même pas. They don't even trust. Donc ils ne cherchent pas Dieu. So they're not looking for God. Dans la Bible, il dit avec Dieu, nous ferons des choses. God, nous make great. Tu marches avec lui. Perfect. Tu vas dans le futur avec lui. Are you working? Il dit, Dieu dit, lui-même, il t'a déjà préparé l'avenir. Mais tu vas dans l'avenir, pas avec lui. Go with him. Ça ne dit rien. It says nothing. Vous savez ce qui fait vivre injuste? You know what makes living? C'est sa foi. Writers, quand je considère l'orphelinat. When he je n'avais pas des millions, des millions, building, mais c'est ma foi because I saw qui m'a mené. C'est ta foi qui va te bénir. Dis amen. Amen. C'est ta foi. Your faith. Tu aimerais que tu aies la foi. Dieu aimerait que tu aies la foi. Pourquoi vous appuyez à pitoyer sur votre sort? Why are you focusing on the past? Ça vous emmerde ce qui s'est passé. Mais c'est passé, frère. D'autres personnes, c'est les hommes. Ça tellement, ça les hante. Ils sont this tellement hantés que parfois ils pleurent. The past. Mais aucunement les pleurs n'ont séduit Dieu. Les pleurs ne séduisent pas Dieu. Non, c'est Dieu. Les pleurs, frère, tu vas pas pleurer, ça ne fera rien toi. That this will not be enough. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Tu n'as pas besoin de pleurer, je vais te dire. Non. 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 Cry so that I can listen to you. Et quand tu parles, tu pries. You pray. Il faut y croire ton futur. You need to trust. You need to believe about your future. Il faut penser. You need to think. Moi, j'étais convaincu que je serais le tout de bon. J'étais à Zaraco. I was in Zaraco. Mais j'étais convaincu que je serais le tout. But I was convinced that I would all over the world. J'en parlais. J'étais dans la voiture. J'étais dans un taxi. I was in a taxi. Bruce et mon le chauffeur du taxi. And the taxi driver. Tu serais mon chauffeur. You'll be my brother. Et dis-moi, il dit, ça doit être. I'm talking to you. He was smiling. Après, il me descend. Le taxi est bizarre. When I go down. Le chauffeur lui descend, il t'en est dedans. Et quand tu sors, j'appuie sur toi. That's on you. C'est la ferraille, tu vois la terre. Tu es dans ta salle, je suis rouge. I was red of dust. Le taxi est bizarre. Mais je disais son chauffeur, I will say to the taxi driver, tu seras mon chauffeur. You'll be my driver. Quand il y a eu la voiture, c'est lui que j'ai pris. Et je lui ai dit, Jérémy. And I told him. Et d'ailleurs, il a dit ça. Il a pas ça. I told you. Amen. Alléluia. Parce que c'est ça que je confie à demain. Because I've been thinking about the future. Et le chauffeur actuel. And my present. On prenait des boîtes en location pour aller dans les croisades. J'ai mis sa conduite. J'ai dit, toi. Some person. Il sera mon I saw the way he was, right? Il m'a regardé, lui c'est un petit lobe. Il m'a regardé. He was looking at me. Amen. Amen. Dieu m'a fait envoyer une 4x4. God brought ça a coïncidé qu'ils ont vendu lui sa voiture. The poor will car. Il a tellement mon chauffeur, ça fait 3 ans ensemble. Amen. Et pour croire ton futur, j'étais dans la galère quand je croyais qu'il était là-bas, que je parlais avec une longueur de la foi. Pour que deux personnes marchent en ça, ils doivent voir de la même manière. Ils marchent avec Dieu, c'est un deuxième concret. Dieu lui voit une vie de l'avenir. Quand tu t'appuies toi, tu t'en sors actuel. And you're focusing on the non, les gens, je me maltraite. Non, so ils m'ont fait cannibale. Ils m'ont mis dans le tombe. Ils sont allés, mais moi, je me marie pas. I'm not getting married. Moi, mon problème. Non! My trouble. Vois que no. T'aimer, le yeah. Problème sera arrangé. Amen. Amen. Tu vois les gens qui parlent. Moi j'étais au village. I was in the village. Et je disais aux gens, aidez-moi. I was staying to people. J'ai fait des nations par rapport à des pasteurs qui sont ici. All over the world. Parce que tout simplement, because je respecte Dieu. J'honorais Dieu en obéissant à sa parole. Il a dit, va dans un trou. Je suis parti. Ça, ça suffit. Pour que Dieu me laisse. Not. Amen. Vous voulez que Dieu vous bénisse?
mais vous n'êtes pas prêt à faire le sacrifice. Vous n'êtes pas prêt à vous donner. Vous n'êtes pas prêt à obéir à Dieu. To obey mais God. Dieu n'est béni que celui qui lui obéit. God is only blessing the one that others. Tu veux aller dans le futur avec Dieu. Like mais comment? The with God. But how? Arrange-toi. Amen. Amen. Cherche à arranger ta vie. Try to cherche à mettre certaines choses en ordre vis-à-vis de Dieu. Puts everything in order. Il y a des gens, tu vas, tu reviens, tu les vois toujours même chose. That's why you can see people always the same. Amen. Amen. Parce qu'il faut composer avec because Dieu. Il faut voir de la même manière que Dieu. See the same way. C'est tout. L'avenir, c'est demain. The future is tomorrow. C'est pas aujourd'hui. Not today. Tu souffres aujourd'hui. You suffer mais demain, tu vas pas souffrir. Dis amen. C'est ça. La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Faith is a real condition of what people pray. Sa vie future. To live our future life. Tu vis ton mariage dans ta tête. You live your marriage in your head. Les gens qui se lèvent de lui. Il t'a fait quoi, Dieu? What did I do to see God? I cannot pray. C'est à combien ou bien? What? Pas chez les problèmes. Excusez-moi. Pas chez les combien? Oh, oh, les sorciers. Les sorciers m'attaquent. They're attacking me. Toi, tu oses dire ça? How can you say that? Ils te feront la guerre. Fight, mais ils te vaincront. Moi, je les banalise. I did not consider. L'homme le plus attaqué par les sorciers, c'est moi. I'm the man who is. Si vous expliquez, moi, j'imagine, je vois des visions. Je suis l'homme qui a toujours les visions. I'm je the vois one des êtres. Always have visions. Bizarre. Mais ils ne disent rien. Leur apparence ne disait rien. Quand ils m'avaient fait rire disparaître, parce qu'ils sont ma foi. Je suis là contre nous. Les démons sont venus m'attaquer. Et dit, j'attaque le maître de Satan. Dans la vision, je suis parti prendre la clé du béni à Jésus. Donne-nous. Frère, quand on a la foi, on n'a pas peur. La foi fait disparaître la peur. La foi fait croire à l'avenir. Tu crois à ton avenir, tu crois, tu n'as pas peur. Les gens ont peur. Some people are afraid. Parce qu'ils n'ont pas la foi. Donc, ils ne peuvent pas oser. Ils ne prennent pas les risques. La foi nous fait prendre des risques. C'est un risque que j'ai pris pour venir à Zaroko. J'étais aux deux plateaux. C'est un risque que j'ai pris. Ma maison est à 500 000 francs. Voici les témoins. My house was on avait un congélateur. Lui et moi, on s'est baladé. Souvent, on partait à la Palmas. On partait chez Versailles. Chez on mangeait souvent là-bas. Aux deux plateaux. Et puis, il m'a dit, va au village. Frère, j'avais un cabinet où je recevais des gens au carrefour des camps. Toute la Côte d'Ivoire savait ça. Je recevais des émissions de télé. Un monsieur comme ça, que Dieu ramène dans un village. Vous savez, quand on ne connaît pas l'histoire de quelqu'un, taisez-vous. Taisez-vous. Si quelqu'un est démoniaque, il allait rester à Abidjan, il allait refuser. Mais je suis obligé de réveiller tous les émissions. De faire tout à zéro. Il y a d'autres qui ne croyaient pas, d'autres me disaient merci. C'est Dieu qui m'a. Est-ce que Dieu t'a parlé? On parle de toi dans les journaux. On parle de toi dans. Tu vas gagner quoi là-bas? What are you going to get? Laisse les dida, laisse les dida. Sont méchants. Les dida people, they are wicked. C'est pas une question de dida. It's not a matter of dida. C'est une question d'obéissance à Dieu. Amen. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le prêtre obéit à Dieu. Et quand tu l'obéis, c'est ça la foi. Ça t'amène à oser. Abraham avait. Il avait la foi en Dieu. Abraham had faith in God. L'unique fils qu'il avait. The only son that he had. Le prend parce que Dieu avait besoin de ça. Les hommes ont peur de donner leur argent à Dieu parce qu'ils n'ont pas la foi. Some older people are afraid to give their money because they don't have faith. Ils ont peur. They're afraid. Le jour Dieu a besoin de ça, midi et ça. Le jour God needs. Et ça, moi, ce que ça, je suis. 100,000. Le jour they il a besoin de ça. Comme interprète, c'est pour l'œuvre de Dieu. Je donne. God has to give. Mais c'est à lui qu'on doit donner. It is him. L'honneur appartient à Dieu. C'est lui qu'on doit honorer sur cette terre. Qui d'autre? C'est parce qu'on n'a pas la foi qu'on n'apprend pas à oser. Parce que je crois mon avenir. Je sais que si j'ai donné demain, il va avoir. C'est sûr. Parce que lui-même, il sait que ça l'a rien. Mais ça lui appartient. Ça l'a fait. Il a besoin de ça. Il dit allez-y dans le village. Si on vous demande, la non demande, le Seigneur en a besoin. C'était pas pour lui. Lui est le maître de tout chose. Son argent appartient. Le jour, il a besoin de ça, ton lui. Il faut pas dire non. Mais le jour, tu auras besoin de lui. Lui aussi va te détourner d'eau. C'est ça le problème des gens.
Ils ont besoin de Dieu. Quand tu as besoin d'eux, ils ne sont pas vrais. Ils ont des calculs. Mais Dieu, je verrai les calculs et toi. On est prêt de ça à Paris pour calculer. On lui va construire une église pour calculer. On lui va payer la dîme pour calculer. Mais vous cherchez quoi? Vous devenez ennemi de Dieu. C'est tout. Vous êtes des enfants rebelles. Et c'est fini. Dieu ne pourra pas. Donc, quand tu penses à l'avenir, il faut être ami de Dieu. Parce que ton avenir l'assurer avec Dieu. Donc, si tu veux aller loin, il faut que tu sois son ami. Donc, tu dois faire ce qu'il veut. So you have to do what pas faire ce que toi tu veux. Not what you want. Si tu fais ce que tu veux, if you do what you want, vous êtes ennemi. Vous serez opposé. Moi, vous serez opposé. Et ça ne va plus marcher. Ton avenir, c'est la preuve d'assurer. Or, Dieu, c'est l'assurance vie. Qui ne pense que de toi maintenant et qui pense à ton avenir. The one who thinks about you now, dis amen. And your future. Amen. On dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc le rêve est permis avec Dieu. Il ne faut pas dire non, moi-même comme ça, que je suis bizarre aujourd'hui. Moi je prenais taxi woro. Quand on dit woro ou présente, tu as peur, tu te dis, lui, si vous voyez ta taxi, tu vas mettre ta noce. Donc comment toi tu vous as peur? And you're afraid to drive it. Aujourd'hui, but today, je voyage, je chante mes classes. Amen. Avec Dieu, tout est possible. Vrai, c'est possible avec Dieu. It's possible with God. Il a fait aux hommes qui ne sont rien. Il a fait aux hommes à qui on n'a pas de considération. Some people who did not les gens qui sont réunis, qu'on refuse, qu'on ne considère pas. C'est nous comme ça que Dieu veut prendre pour nous positionner. Amen. Would like to take us. Et si vous voulez aller au sommet, if you would like to reach le sommet, the high place, vrai, il faut avoir le discernement des opportunités. Pourquoi? Why? Parce que c'est l'homme qui because fait l'homme. Vous avez bien compris? Est-ce qu'on a bien compris? On pense au futur, n'est-ce pas? We're thinking et puis on vient être au sommet. Like pourquoi? C'est normal parce que c'est futur. Dieu lui fera de nous la tête et non la queue, n'est-ce pas? On serait en haut et non pas en bas. C'est pas péché. Vouloir être en haut, c'est pas péché. Wishing to be ahead. Et pas d'aller construire une maison pour dire je vais être en haut, tu baisses. Comme les gens, ils voulaient monter pour parler à Dieu. Non. C'est-à-dire l'esprit de la grandeur. C'est une question d'esprit. Avoir un esprit de grandeur. Être toujours à la tête. Dans les meilleurs des mondes. Je n'ai pas d'aller visiter la place des gens. Non, il faut méditer ça. C'est pour ça que si tu veux être grand, il faut aller étudier. Voilà, il faut étudier. Ça fait des études, tu vas t'envoyer là-bas. Sinon, tu dis, le Seigneur dit, dans l'entreprise, je dois t'attendre. Le pasteur, le patron doit démissionner. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Nous-mêmes, on va se lever contre toi, l'église. Pour t'attacher. Mets le feu sur toi. Ça se mérite. Donc, si tu veux être grand, il faut aller étudier. C'est l'esprit de la grandeur. Le poste, ça se mérite. Les études. C'est ça qu'il ne faut pas négliger les études. Il faut aller étudier. Mais, il faut avoir le discernement de l'opportunité. Ça veut dire quoi? Il y a des occasions que Dieu crée. Des rencontres. Vous jouez ça. Vous jouez ça. You're joking with it. C'est l'homme qui fait l'homme. Qui quelqu'un? C'est l'homme qui fait l'homme. Vous avez ça, moi? Dieu m'a envoyé quelqu'un. Je réfléchis. C'est pourquoi? C'est ça ma pensée. That is my thought. Vous connaissez Joseph? You know Joseph? Il avait un rêve. He had a dream. À cause de son rêve, because of his dream, il se retrouve dans un puits. He was le jour où j'aurai un rêve, the day you'll have le jour où j'aurai un rêve de grandeur, vous voulez être un ministre, vous dream, voulez être quelqu'un qui est grand, vous serez jeté dans un puits. Les gens vont vous attaquer. Well, le rêve suscite la jalousie. Le rêve de la grandeur suscite la jalousie. Je suis des gens qui vont vouloir t'enfermer pour empêcher ton rêve de se réaliser. Ça fait partie de la destinée. Ne te plais pas, Jésus. Amen. Alléluia. Ne te plais pas, destinée. Je t'aime. Jésus.
Seigneur m'inviter par ici, par là. Je suis sur le chemin de la destinée. La grandeur suscite la révolte, la jalousie, la jalousie. Vous voulez être grand, vous ne voulez pas que les gens vous jalousent. Parce que les gens savent où tu es en train de partir. Il veut te ramener à un niveau. You to come down. Tu es en train de partir. Il veut te ramener. Like to bring ne te rabaisse pas, frère. Amen. Ne parle pas. Do not accept. Ne cède pas leurs provocations. Il faut continuer. Answer. Amen. Go ahead. Il faut continuer. L'homme attaque, c'est normal, frère. It's normal that I'm attacked. On est lapide quand les fruits de la mangue, les fruits de sa mue. C'est là où on les pieds, les enfants vont jeter les pieds. Fruit. C'est parce que c'est important qu'on attaque. It's because you're important that you're dead. Le rêve de la grandeur suscite la jalousie. Jealousy. C'est ça. Et Joseph, ils ont jeté dans un mur. Well. Il a rêvé, c'est Dieu. Mais tu n'as pas empêché d'être dans le puits. But is comment vous comprenez Dieu? Il y a des états où il n'y a pas de steps. Qui ne veut pas dire non, tout sera bien. God will not say everything will be good. Dans le palais, comme ça. Being in the palace. Non, je serai là. Quand il va au palais, tu connais. But do you know? Tu connais? The steps, the cross. Le père d'Israël a traversé le désert. Vous savez ce qu'on appelle la grandeur? Crossed. Vous savez ça? Pourquoi vous plaignez-tu les gens? Why do you complain when you? Quand tu as commencé à parler de mariage, les gens vont t'attaquer. You start talking about the wedding, people will attack you. Parce qu'ils ne veulent pas que tu sois dans le mariage. They don't want you to be in the wedding. Amen. Amen. Il s'est retrouvé dans un puits. Being in the well. Dieu merci. Thank dans you. Le puits, il croyait tout. The grace of the Lord. Peu importe. Quand tu vois une attaque, tu n'as pas dit Dieu t'abandonne. Faut pas que ce rêve t'abandonne. C'est ça dit quand quelqu'un a foi. Il ne se décourage pas. It never discourage. C'est ça la persévérance. This is perseverance. Je continue à voir ce qui est derrière. Keep dressed to see what is beyond. Amen. Amen. Ok, on le prend à Potiphar. Et les gens vont vous la faire vendre, ça fait partie. People, let's tell me. Qui vont te vendre, qui vont parler de toi, qui vont te torpiller, c'est normal. Ils vont te défendre, c'est normal. Ils sont en train de préparer ton élévation. Dans ce monde a été élevé sans attaque. Qui est dans ce monde a été élevé sans persécution. Amen. 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 Regardez la vie des gens qui sont président de la République. L'ancien président qu'on appelle le Babo. Il s'est retrouvé plusieurs fois en prison. The former president. La prison de la Salvador. Vous avez vu combien de fois il a été maltraité ici jusqu'à ce qu'il prend le pouvoir. Même si d'autres personnes ne croient pas en lui, moi je ne suis pas là pour faire la politique. Mais je chante de nous ouvrir les yeux sur quelque chose. Just opening your eyes on things. Pour accéder à un poste. To reach. Pour accéder à une élévation. Ce n'est pas une chose aisée, frère. Non! Ça se mérite. Ça se mérite. Quelqu'un, ça se mérite. L'élévation se mérite. Vous voulez être élevé comme ça, vous voulez pas. Qu'on vous essuie. Vous voulez pas qu'on parle de vous. Ah! Je m'insulte. Ah! On parle mal de vous. They're talking about the Lord. Come down. Let people talk. Vois ton futur. Let them talk. Amen. Think about their fear. Celui qui voit son futur, the one who thinks about il ne discute pas celui qui don't discuss with the qui ne voit pas la même manière que lui. See the same way. Like quand vous parlez aux gens, when you talk ils ne savent people, pas ce que vous êtes. You know, vous vous rabaissez. Who you are. You're coming down. Moi, ce qui t'intéresse, what is interesting you? It's your future. Frère, il faut marcher brother, dans le futur. What? Ne t'intéresse pas à ce qui se passe. Compose avec Dieu. Le même langage de Dieu. La même personne viendra un jour s'humilier devant toi. Amen. Je prosterai devant toi. Alléluia. Chez Potiphar, on le met en prison. Potiphar in jail. On dit il est beau, le monsieur est joli. Is he handsome? Le monsieur est toujours absent. I was missing. Potiphar absent. L'absence aussi, ah madame, elle dit mais le monsieur il y a un garçon qui peut jouer le rôle de monsieur de temps en temps, même pour moi dans mon dos, ah, Joseph dit non, il y a des choses qui attendent trop les gens, après de, je suis responsable de tout, mais sauf toi, toi seulement là, vraiment, je ne suis pas ton responsable, et puis elle dit mais pour moi dans le dos d'une femme réunie, je dis non.
And the mind. Il y a des tentations, ne provoquez pas. So temptation, c'est un frère. Amen. Amen. Quand une soeur te dit, frère, je te fais tomber, il faut demander pardon. When she starts to fall, I'll let you down. Je ne veux pas, je ne veux pas préparer ça. She'll prepare it. Tu fais tomber. C'est la grâce de Dieu qui nous soutient. We nous sommes tous lâchés. Le frère a dit non, moi j'ai un rêve. Says, non, ça ne compose pas avec l'image. Dis amen. Quand j'ai un rêve, tu as peur de décevoir Dieu. Ready? Quand tu crois ton futur, tu as peur de décevoir Dieu. C'est ça. C'est ce qui a animé Joseph. Vous vous pensez quoi à votre futur? Vous décevez Dieu à tout moment. How can you deceive? Petite chose, vous êtes tombé. C'est toi qui bois, c'est toi qui fais ça, c'est toi qui es dans les conneries. Mais comment Dieu pourra te bénir, frère? How can God bless you? Comment il pourra te bénir? How can God bless you? Il croyait tellement sa destinée qu'il ne voulait pas décevoir. Avec Dieu, nous ne nous laissons pas. La seule chose, il ne voulait pas que Dieu se bénisse. Il y a des gens, Dieu s'est déjà éloigné d'eux. People here go, parce que leur manière de vivre prouve que Dieu n'est plus avec eux. Quelqu'un qui passe tout son temps dans le bar. How can a person spend his time in bars? Et qui marche toujours les paillettes. Always working with paillettes. Et qui va adorer les rivières et tout ça. Go and praise waters. En quoi ton avenir assuré Dieu? Dieu n'est plus avec toi. God is no more with you. C'est fini ça? Stop it. Lui, God, il ne voulait pas décevoir Dieu. He didn't want to. Il pourrait le faire. He didn't want to. Mais God. Il ne voulait pas décevoir le Seigneur. Want to deceive the Lord. Quand tu as un rêve, when you have a dream, tu ne dois pas décevoir Dieu. You do not have to deceive. Parce que celui qui accomplit le rêve, because he's the one celui qui va accomplir, non, on parle mal de ça. Celui qui va accomplir ton rêve, is the one who accomplish your dream. Il y a quelqu'un, si tu as un rêve, you have a dream, il ne voulait pas décevoir le Seigneur. Don't deceive the Lord. Nous sommes des êtres humains. We are human beings. Ça peut arriver. This can happen. De tomber. That's mais relève-toi. Let's try to get que up. Tu tombes, when you relève down, get up. Où suis le chemin? You keep on your way. Fell down. C'est pas facile. Mais il faut pas rester. Because là. It was not easy, but do not stay. Faut te relever. Get up. Pardon et parti. Forgive and go ahead. Vers ta destinée. Tu es dans la destinée, la destination. Tu n'es pas encore arrivé. You allez. Laisse-toi, allez, va-t'en. Right. C'est pas possible de chercher ta chute, tu vas te l'amener. Je ne crois pas ça. Si jamais ça arrivait, réponds-toi et continue le chemin. Ne faut pas te culpabiliser. Une fois t'as conversé, allez, va-t'en, ne te plais pas dedans, allez, va. Do not stay in it, but go ahead. C'est demain qui est plus important. Tomorrow is important. Il faut que tu ailles. To reach. Amen. Amen. Mais avec Dieu. Vous comprenez? Tu peux avoir un rêve. You can have a dream. Sans Dieu, ça ne pourra jamais s'accomplir. This will never come. Jamais ça pourra. Never come true. Celui qui réalise les rêves. Is the one who make them. On dit avec Dieu, with God, vous ferez des exploits. So have great avec lui. With God. Il est toujours absent. Always, but he is always après busy. Tu pries. You don't even pray. Il y a des gens qui ne peuvent même pas gêner. Some people cannot fast. Mais c'est de la chair. Il y a des gens qui ne peuvent pas gêner. They cannot fast. Tu peux comprendre, non, peut-être quelqu'un est malade. Mais il peut maybe sick. That's quand il se lève matin, c'est grave. Est-ce qu'il se lève? Vous m'avez recouché comme nous, tout le monde m'a recouché. Non, moi je n'ai pas fait les cafés, moi j'ai recouché, même en France. Ah, vous dites, mais attends, je suis noir ou réduit. Quelqu'un, on a mis au monde avec recouché. Il va vous payer à pour la santé. C'est pas le même déjeuner. Si on a mangé, il dit, bon, c'est même déjeuner. Si j'ai mangé, il vient chasser les démons. Ça va être en croissant, on va faire, c'est même déjeuner. Mais par moment, il faut jeûner. Par moment, on a besoin. J'ai dit ça aux gens, j'ai dit, vous pleurez sur votre sort. You cry about your future, vous vous habituez. Mais il y a des éléments. That's some elements. Qui attirent le regard de Dieu. And attract God's side. Tu t'habitues, tu cries. You cry. À la suite, tu fais quoi? Shouting. But what else okay. did you do? Tu prends conscience que. Conscious that. Il faut pas moi laisser la nourriture. You need to give up food. Et que ce problème là. And this trouble. Il faut y faire un problème très sérieux. You need to take it seriously. En gênant. By fasting. Parce que la solution n'est pas un homme. Because the solution is c'est Dieu. God. C'est qu'il va envoyer quelqu'un. Justement, c'est quand tu gères, tu pries, que Dieu envoie quelqu'un. Dieu même. Que Dieu crée les rencontres. That God creates meetings. Alléluia. Amen. Donc, quand tu as un problème, so when you have mets-tu le sérieux dedans.
take it seriously. Il y a pas un problème que Dieu ne peut pas résoudre sur cette terre. There is no trouble on earth. C'est la manière dont on même tu gères. Tu cries, tu pleures, c'est vrai, les gens t'en veulent. You're shouting. Mais est-ce que tu fais des problèmes très sérieux? Is it a serious problem for you to fast and pray so that God can deliver you? No. So God will look at you. Moi, je pourrais dire non, je ne gêne pas. I could say no. Je suis intéressé par le jeûne. I'm interested. Je pourrais dire non, je ne prie pas. Je suis qui même pas. Vous dites, je ne gêne pas. I won't pray. J'ai toujours besoin de Dieu. Il a absolument besoin de Dieu. If he's missing in my life, it's in trouble. Amen. Amen. Donc, il faut rechercher la présence. So you need to check the presence en permanence. Vous me chercherez, vous me trouverez. C'est dans la prière, dans la jeûne. En s'éloignant du péché. Quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur. Éloignez-vous des prières. They cannot bring you the right on the right way. Amen. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Donc Joseph, il ne voulait pas décevoir Dieu. He didn't want to deceive God. Observation est bouée. That's why he could do it. C'est pas moi qui ai demandé. Was not the one who asked it. C'est elle-même qui dit de mettre pommade. That she was si the one pommade, who wanted it. Que tout s'est passé là-bas. Before they ask pray for Seigneur, c'est pas moi. It is not me, my Lord. C'est nous. It is her. Mais tu es conscient, tu es conscious. Toi, garçon, tu vas mettre pommade. How can you? J'ai une femme qui dit pray. À tous. On the woman. Toi aussi. Si tu n'as pas une réaction, c'est que tu es malade. Reaction. C'est la vérité. Pourquoi c'est passé pour les saints? Donc pour éviter, il faut prier. Non. Better. À cause de ça. Go away. Because of it. Il s'est retrouvé en prison. Amen. He was in jail. Frère. Brother. L'obéissance même à Dieu peut te créer. T'amène dans une situation bizarre. Tu peux même te demander, mais pourquoi Dieu? Ne murmurez pas par moments. Laissez les choses. Why God? The things. Il avait une seule chose. The other thing. That he had. Il ne doit pas décevoir le Seigneur. He didn't have to receive the Lord. Si ma peur sortit de lui, if he puts it out from the well, pas de cette prison qu'il pourra pas me sortir. Dieu est loin. Alléluia. Sortir du puits, prier de quoi? Coming out from the well. Prier de quoi? What is jail? Alléluia. Et dans la prison. And in the jail, il rencontre quelqu'un. He met someone. Frère, brother, si tu pries, if you pray, Dieu va te faire des rencontres. God will create meetings. C'est des rencontres qui va créer. Some meetings that God et non, il ne descendra pas du ciel. An angel will not come down from the heaven. Take your hand to bring you to the right place. Il faut avoir le discernement des opportunités. Les chansons du roi, un des hommes les plus importants du roi, est en prison the king in jail avec Joseph. With Joseph. Alléluia. Amen. Vous trouvez le passage, to find this passage dans Genèse chapitre 39. Geneva, chapter, vous lisez ça après 39, la maison. Amen. Amen. On va lire ça rapidement, s'il vous plaît. Really tout le chapitre de Genèse 39, nous touchons Genèse 40. C'est important pour nous de le dire. Vous allez comprendre un peu. Là, les gens qui passent perdent la bénédiction parce qu'ils n'ont pas le discernement de l'opportunité. C'est tout. L'homme qu'il fallait là, diamant, il est ça. Is present. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Je vous expliquerai ça bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Les opportunités. Amen. Amen. Voici un monsieur que Dieu a décidé pour that toi. God used for you. Tu le gères. That how can you? C'est fini. J'ai toujours dit, quand vous rencontrez quelqu'un, ne pas comme mère spirituelle, comment papa spirituel. Dans le foyer, n'est pas papa spirituel, maman spirituel. C'est monsieur, madame. C'est pas là qu'on vient faire révélation à la sœur. Tu sais que le Seigneur me parle beaucoup. This, sister, et puis tu vas terroriser le frère. Il va frighten the brother. On s'est aimé, frère. We love on peut se tourner la main. Mais toi, toujours en train d'accuser le frère. The le Seigneur m'a révélé chez toi hier. Tu as embrassé une soeur. Le Seigneur m'a révélé. Mais il va partir. The Lord revealed me that you have kissed the sister. That your mom was déjà, ce qu'on appelle le discernement des opportunités. Opportunité. On a ça.
qu'on a l'Esprit de Dieu. When we have spirit, c'est pas tout le monde comme ça. Hein? C'est quand l'Esprit de Dieu est en toi, que tu as ça. Le discernement. Le plus grand don, frère, c'est le discernement. Qui est le plus grand don, c'est le discernement. C'est tout. De savoir que lui, il est mauvais, il ne met pas moi. That this one is bad. Que lui, il est là pour moi. That this c'est one tout. Is present. Si tu as pu avoir ce discernement, tu es un homme élevé. You are elevated man. Mais il vient, tu ne sais pas qui il est. But quelqu'un qui va te manger, tu ne sais pas. Quelqu'un qui va te faire du bien ou tu ne sais pas. The one who can do you good. Et puis mon rat, parce qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous. C'est ça le problème. On n'a pas l'Esprit de Dieu en nous. C'est pour ça qu'on n'a pas le discernement de sa part. Moi, le don pour lequel je pleure chaque jour, c'est le discernement. Well, I pray, la sagesse. Wisdom, et puis l'amour. Love. Sinon, les dons, on dit aspirer. Quand j'ai prié pour quelqu'un, Dieu m'envoie le don, guérir la personne. Ça, c'est un petit problème. Mais pour aller très loin, il faut avoir le discernement. You need to have that. Il faut être un homme très sage. You need to be with il faut avoir de l'amour. Have love. Tu construis tout. Be parce que si tu n'es pas sage, ce que le Saint-Esprit pourra construire, le temps de sa vie peut détruire ça. Lack of wisdom can destroy it. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si nous demandons, Dieu va nous donner. If we ask for, ça demande que Dieu va nous donner. C'est tout. Tout n'est pas sale, n'irait jamais loin. If de Dieu. La sagesse de ce corps, c'est savoir se prendre. Comment bien se comporter son patron? How to be, comment bien se comporter avec son leader? C'est ça la boss, quelqu'un qui est sale. Leader, pas parce way. Que non, attends. Because the one is non. Parce que ta bénédiction dépend de lui. Mais vous savez que c'est dans l'entreprise. Si Dieu veut te bénir, c'est le patron qui va toucher pour te bénir. La promotion est de vous. C'est le patron. Maintenant, si toi tu es dans l'entreprise, et que tu te comportes comme un patron, il va te virer. Et tu vas travailler comme sorcellerie. C'est pas bien les sorcelleries. Put you out, le patron est le patron. C'est pas toi de venir le coup not au patron. You, to teach it. Non. En ressources humaines, c'est pas toi. Tu joues ton rôle. Quand le patron sort, tu lui dois l'honneur. Tu lui dois le respect. C'est en regardant tout ça que tu t'apportes une promotion. Amen. Quand le patron passe à tu vas être de patron, si c'est moi, je te chasse. Il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Parce que j'ai le Saint-Esprit. C'est que je suis moi, je le suis. Dieu est moi. Même fait quoi de monsieur. Pourquoi il me parle comme ça? Why is he talking? C'est ton patron. It is your boss. C'est ton patron. It is your boss. Peut-être que Dieu est en train de l'utiliser pour voir ton caractère. God is using him to see your behavior. On ne peut pas marcher avec quelqu'un qui n'est pas soumis. Ah non. It's not solid. Donc il peut tester. So he can test. Quand tu es un patron, when you lui être soumis. C'est à partir de la soumission qu'on a la promotion. That on n'envoie pas quelqu'un comme ça dans un truc, une promotion comme ça. Parce que si tu es soumis, if you're submitted, Dieu va l'utiliser God will use pour t'élever. Quand Dieu vous met près de quelqu'un, votre bénédiction dépend de lui. C'est par lui que Dieu place vous bénir. Amen. Mais vous parlez, Dieu va descendre comme un âne pour dire viens mon fils, tu as trop souffert. Viens. Allons en Europe. Toi-même, tu rappelles de ça. Tu rappelles cette voix. Because you suffer too much. Ça t'effraie. What? Pourquoi me parle comme ça? Ça t'effraie. Dieu touche le cœur. Touch the heart of your boss. Et c'est lui que Dieu te dit. Ton salaire doit augmenter. C'est lui. Mais si tu te comportes très mal, faut pas passer comme sorcellerie. Si tu te comportes très mal avec ton patron, ne va pas passer comme sorcellerie. C'est toi qui vas créer le problème. C'est pas une épreuve. C'est toi. C'est là que frère, il faut avoir le brother. Il faut savoir bien se comporter. To behave. Tu es un employé. You are an employee. Il y a l'employeur. And then, le rapport de l'employé, c'est comme ça. Il faut le respecter. Ce qu'il n'aime pas, ne le fait pas. Il y a deux choses que vous devez connaître. Si vous vivez avec quelqu'un, cherchez à savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Si vous maîtrisez les deux choses, vous n'allez jamais avoir mal à vous. Moi, mon chauffeur, il a fini par connaître ça. Je suis étonné. Already established. Oui, je suis étonné. Cherche à connaître ton patron. Oh, your boss. Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. What he likes or not. Il y a certaines heures. At certain times. Il y a le caméraman là que derrière, il connaît. Camera. Il y a les heures à quelles je suis. Même quand je suis dans, on ne me réveille pas. They cannot make me wake me. Et ils savent. They know. Mais là, s'il vient violer cette loi, qu'il cherche, c'est pas là, il change.
That's true. Je suis dans la chambre, je ne sais pas si tu es en train de me parler. On a besoin de toi. You don't know if God is talking. Quand il est sorti, il connaît ce qui va venir. Donc il sait. So he knows. Donc il sait. Amen. Donc quand tu vas chez quelqu'un, so il faut savoir se comporter. You know it. Parce que c'est toi, celui qui est ton chef. Tu vas tout nom, c'est lui. Si tu dois aller dans un autre toit, tu vas vouloir recommencer. Oh, Dieu t'a envoyé là où tu veux. Ce serait que quand vous travaillez avec quelqu'un, votre bénédiction dépend de lui. Parce que Dieu passe par lui pour bénir. Vous devez réjouir son cœur. S'il a l'amertume dans son cœur, c'est comme Dieu. Vous avez pas vu Dieu. Have you ever seen God? Pour ça qu'il faut avoir le discernement des autres. Joseph dans la prison, on lit. Joseph in the jail. On va rapidement. Genèse chapitre 39. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon. C'est ça? Pas le 40, s'il te plaît. C'est ça? Oui, c'est. Attends. Excuse-moi. C'est ça? C'est ça, oui. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites. Il l'avait fait descendre. Il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il envoya à son service l'établi. Dans le verset 40, chapitre 40, s'il te plaît. Chapitre 40. Il arriva que le chanson et le panetier du roi d'Égypte offensaient leur maître et le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Dans le lieu où Joseph était enfermé. Allons-y. Le chef des gardes les plaça. Même en prison, Joseph était un homme respectueux. Vous savez, quand vous n'êtes pas respectueux, et vous avez un caractère de malpoli, Dieu ne peut pas vous bénir. Dieu bénit ceux qui sont humbles. Par moment, il faut accepter qu'on te marche là-dessus. You need to accept it. Ça permet, ça fait partie de ton élévation. It is a part of the elevation. Il faut qu'on apprenne ça. Il faut que tu acceptes. You need to accept it. Par moment, il faut accepter les choses. Quand tu n'acceptes pas, if you do not, tu ne peux pas être béni. You cannot be blessed. Il faut accepter ça. Accept things. Allons-y. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui était de service auprès d'eux. Il faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le banetier du roi d'Égypte, qui était enfermé dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda. Et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit. Très bien. Pourquoi avez-vous... Vous savez, quand je regarde Joseph... Je vois quelqu'un qui a habité par l'Esprit de Dieu. Dis Amen. Et je suis pas surpris que Dieu l'ait béni. Not surprised that God is blessing him. Du coup, il vient. He came. Il regarde les gens. He looked at the people. Il discerne quelque chose. He noticed something. Il comprend qu'ils ont un problème. And he noticed that. Il y a des gens qui n'ont pas ce discernement. Vous vivez avec un patron, vous ne savez même pas s'il est du même pas. With your boss, but you don't know. Vous ne savez même pas parler. If he is, au bon moment. You don't even know to talk. Vous savoir parler. Au bon moment, on va le discernement pour dire, ah là là, si elle parlait, même si c'est bon, mon patron ne peut pas être content parce que je vois que c'est bon, c'est pas bon. Parce que quand le patron n'est pas content, il ne peut pas te bénir. Un patron qui vous répète toujours les mêmes choses, les mêmes choses, il finira un jour par vous chasser. The same things. Qui n'aura même plus besoin de lui. Il a besoin de quelqu'un qui peut lui faire avancer. Donc, ayez le discernement. Il regarde, il constate que ceux qui sont près de lui, c'est ça. Et pourquoi ce discernement? Vous connaissez ce qui sont
to know what is wrong. Know the Spirit. Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Très bien. Pourquoi avez-vous un mauvais visage aujourd'hui? Tu précises très bien. Vous n'êtes pas quelqu'un, mais l'ami, vous savez, tu dis, la voiture, là, on va comment? Il n'y a pas bonjour. Le monsieur est venu pour se faire sa délivrance. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Quel humain, peut-être qu'il a été attaqué. Peut-être qu'il a un problème d'acheter une pneu, quand tu viens. Lui réfléchit à ses problèmes. Pas du même parler de pneus. Tu veux parler de délivrance. Il faut regarder. Talk about c'est très important. It's really important. Et puis tu dis, bon, ok, c'est pas le moment. And you say, it's not the right time. Peut-être qu'il a d'autres choses dans la tête. Même à ton mari. Tiens, regarde, même à ton mari. Even to your husband. Non, mon mari, les sorciers nous attaquent. Aujourd'hui, là, mon mari, ma femme, mari. C'est pas attaque, c'est toi qui as attaqué ton mari. Comment tu peux dire à ton mari? How can you say to your husband? Ah! Aujourd'hui là, va te servir toi-même, va. Go and take your food. Va manger. Go and eat. Si tu veux pas manger, tu n'as pas faim. If you don't want to eat, it means you're not hungry. Tu crées un problème. You're creating a trouble. Tu veux la pilule de bien l'accueil. You need to welcome him. Il vient, tu ne le reçois pas bien. But you do not receive him. Mais qu'est-ce qui se passe? What's happening? Créer une atmosphère dans toi. You need to create an atmosphere. Entre le mari et toi. Between the husband and the wife. Et l'homme aussi c'est important. The man is also quand important. Tu regardes la femme, elle est bizarre. When you look at your wife, she is really. Va lui donner un peace. Un bisou. Peace. Quand elle est longue, tu m'en tu fais un bisou. Not too long. Et puis tu lui dis chut. Je t'assure, ça va chasser ses mauvais esprits. Can... Ça va chasser ses mauvais esprits. Elle est possédée, elle sera délivrée. If she is possible, le mot j'espère dans sa délivre. Because la délivre nous seul. Can deliver les femmes ne sont pas compliquées. Bon, à part ceux qui ont la langue, voilà, les langues, missiles, sol, air ou bien. Those who have these smiles. Les missiles bizarres, bizarres. Tu la regardes. You don't. Va prendre un pain, ou si c'est compliqué. Can take a rubber. Ou bien, fais le bisou. Or kiss her. Appelle-la de côté. Call her. Et les gens ne comprennent pas qu'on parle mal d'eux. On parle en public. So people do not have to be. Faut apprendre à connaître. Apprendre à connaître. Donc Joseph avec les gens, il les connaissait. Il a discerné que aujourd'hui là, le visage là, c'est pas bon. Or les gens n'ont pas ce discernement. Pourquoi? Parce que Joseph avait en lui l'esprit de Dieu. Spirit. Je vais insister là-dessus tout à l'heure. Allons-y. Vous allez comprendre. Amen. Dans ces temps-ci, je suis en train de nommer le message de taille. Ça, c'est le message. Je suis en train de nommer. Vous avez atteint déjà une maturité. Il faut qu'on vous donne des messages de taille. Ne voyez pas les sorciers partout. Don't see sorcerers. Non, aujourd'hui, là, everywhere. Mon patron m'a mal parlé. Today, le sorcier de mon village, il est rentré dans mon patron. Il m'a insulté. Et le. Alors, je dis, oh, c'est toi-même qui attaques le patron. Tu n'as pas tant de bon moment. Le patron avait d'autres choses dans la tête. Et toi, tu es venu le mélanger. Vous comprenez? Souvent on voit les sorciers partout. Sometimes we see sorcerers everywhere. Pourquoi pas le discernement? Pray for help, that's what it means. Allons-y. Nous avons eu un songe. Nous avons eu un songe. Et il n'y a personne pour l'expliquer. Il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit. N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Très bien. N'est-ce pas à Dieu? Prouve que Joseph, il avait cette connexion avec Dieu. Dieu amen. La connexion. Connection. Oh non, j'aime bien la vie de Joseph. Dieu amen. Est-ce qu'on t'a acclamé le Seigneur? J'aime bien la vie de Joseph. Quelque chose vous arrive, vous ne comprenez rien. Rien ne se passe. Ça veut dire que vous êtes déconnecté. Vous êtes déconnecté. Vous êtes déconnecté. De Dieu. From God things. Il dit ça à Dieu qui a apporté l'explication. Dieu est en lui. Dieu amen. Vous êtes le temps du Saint-Esprit. You're the Dieu est en lui. Le Saint-Esprit est dans lui. The Holy Spirit. Regardez ce qu'il va faire. Look what he'll say. N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre son. Amenez-moi ça. J'ai réglé ça. Please tell them to me. Le chef des chansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cèpe devant moi. Ce cèpe avait trois sarments.
Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les trois sarments sont trois jours. Il a expliqué, sans invoquer, as il a dit, Seigneur, s'il te plaît. Le Seigneur me dit, non, arrête vos comédies là. Stop your nonsense. Il y a des gens, c'est quand ils font. Attendez. Il arrive l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Ça dit, il n'est plus là, il vient. Et quand il dit, non, il est. Vous êtes possédé. Tu vas pas ça. Ça, laissez des bouts jouer comme ça. On dit, nous sommes le top du Saint-Esprit. Il a dit à nous. Frère, tu as combien? Dégage, quitte l'église. Allez. Il n'est pas ça. Donnez-lui des colis. Pissa. Des colis que de peu. Allez, mettez bout sur lui. Allez. Tu as combien? Vaincu le feu sur toi. Dès qu'il a donné, il dit, donnez-moi l'explication. Parlez-moi, parle-moi de l'explication. Dis amen. Quand quelque chose t'arrive dans l'Esprit de Dieu, il te donne immédiatement l'interprétation des choses qui arrivent. Alléluia. Je suis là que nous sommes en train de gêner. Nous sommes en train de gêner. We are fasting. Nous sommes en train de gêner. Nous sommes en l'interprétation des choses qui nous arrivent. Nous sommes nous comprenons les choses qui nous arrivent. Alléluia. Encore trois jours et Pharaon relèvera ta tête. Il dit encore trois jours. Bah. Et tu rétabliras dans ta chambre. Il va te rétablir. Tu mets. Amen. Oh, c'est merveilleux d'avoir. Amen. Frère, prions pour qu'on ait le Saint-Esprit à nous. Dis amen. C'est le but de ce jeûne là. Nous sommes en train de jeûner pour ça. We fasting. Les choses arrivent, ça vous échappe. Vous ne comprenez rien. And nothing. Pas d'explication. You don't understand. Vous êtes en train de courir. Oh, il est en vous. Like to run. What else the Holy Spirit is doing? Que Dieu nous aide. May God help us. Que Dieu nous aide. May God help us. Alléluia. Pour qu'on puisse lui dire du tout. So that we can be useful for him. Il n'a pas besoin d'être prophète. Pour lui qu'il t'aide. You don't need to be a prophet to pray. Dieu peut l'utiliser pour régler les problèmes de ta famille. God can use you to solve the trouble of your family, your friends. Je suis connecté. Il a refusé de plus. Il a refusé de faire quelque chose. Il était connecté. Donc le Saint-Esprit en lui. He was living with the Holy Spirit. Que Dieu nous aide. God really help us. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son chanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté. Alléluia. Il dit quoi? Répondez. Souviens-toi de moi. Hey, c'est Dieu. Vous avez compris? C'est l'homme. Vous avez compris? Souviens-toi de moi. Il demande pardon. Il me dit, oh, pardon. Le jour tu seras délivré. Souviens-toi de moi. Vous pouvez pas invoquer le nom du Seigneur. Seigneur, mon Dieu, faut pas lui donner un esprit du Saint. Faut pas qu'il m'oublie de là. Monsieur, ne m'oubliez pas ici par les ténèbres. Si vous m'oubliez, vous allez avoir des problèmes. Ça, c'est la sorcellerie. Amen. Amen. Il est convaincu, ce monsieur-là. Vous êtes convaincu. Alléluia. Que c'est l'homme qui fait l'homme. Dis amen. Amen. C'est là qu'il ne faut pas avoir des problèmes avec certaines personnes. Moi, je ne cherche même pas à avoir pour le maître de la vie. Même s'il y a raison. Je ne cherche pas à avoir pour le préfet. Même s'il y a raison. Parce que là où ils sont, il y a des choses que nous avons besoin d'eux. Amen. Amen. Tu dis pas amen? Amen. Même si c'est l'homme de Dieu. Il est venu. Donc, je dois m'entendre à lui. C'est ça la vie. Pardon, hein? Comment vous dites-vous? Mais qui est dans la révélation? C'est pas lui. Ça veut dire qu'il est plus supérieur à l'esprit. Mais il a compris que là, cette maison de l'homme qui fait l'homme. Donc par moment, il faut baisser. Il faut aller doucement. Il y a quelqu'un qui va doucement. Il y a quelqu'un qui va doucement. Allez doucement. Mais vous avez raison. Allez doucement. Il faut que la sagesse vous anime. Vous comprenez que si il y a un problème, le maire, il peut me créer des problèmes. Il peut me créer des problèmes. Même si tu as raison. Even if you're right. Même si tu as raison.
even if you're right. Parce que c'est par l'homme que Dieu passe. Because God's aucune autorité n'est établie sans Dieu. It's through man. Même s'il est dans le péché, même s'il est franc-maçon, mais il fait son travail. That he is doing his job. Même s'il est franc-maçon, il fait son travail. If he's il est maître. He's doing his job. Pourquoi aller me mettre en conflit avec les mains? Pourquoi being in trouble with éviter ça? Avoid it. Éviter d'insulter un maire. Éviter d'insulter un préfet. Éviter d'insulter un président. Éviter d'insulter un ministre. Tu l'as insulté. Pour le celui d'ici. That is the one who signed. Et vas-y. Amen. Tu as dit, Seigneur, le vaincu. Le fait sur lui. Il est possédé. He's possessed. Qu'il oublie ce qu'il a fait. Il ne va pas oublier. They forget what I've done. Frère, il ne va pas oublier. Il va. Moi, je vais venir l'aider à te chicoter. Toi, tu oublies. Seigneur, qu'il ait l'esprit d'oublier. Qu'il oublie. C'est vrai, il a fait du mal. Pardonne-moi. Mais c'est parce qu'il était possédé. Qu'il oublie. Où j'ai quoi même? Où j'ai quoi même? Toi, t'es qui même? Ton élévation dépend de quelqu'un. Elle te dit ça, où Dieu va passer pour t'élever. Tu connais? Do you know? Pas doucement. Let's go slowly. Pas doucement. Let's go slowly. Tiens, quelqu'un, pas doucement. Tell your neighbor, let's go slowly. Donc lui, quand il est rentré dans le spirituel, so when il s'est rabaissé. Vous voyez, il y a l'esprit et puis il y a la chair. Ne mélangez pas ça. Don't make Dieu, amen. Les gens, ils veulent toujours être dans le spirituel. Il est venu la vie avec son esprit de grandeur. L'esprit de Dieu, il a vu. Quand il a fini l'esprit de Dieu, il est rentré en chair. Et puis il s'est rabaissé pour dire, souviens-toi des mots. Remember me. Mais frère, si tu n'as rien fait à quelqu'un, il va se souvenir de toi. C'est pour ça qu'il faut poser des bonnes choses dans la vie de quelqu'un. Dis amen. Il faut apprendre à faire du bien aux gens. You need to learn how to do good things to people. David a fait du bien à Jonathan. Oui, Jonathan, du moins, a protégé le trône de David. Parce que c'est à partir de Jonathan que David a eu le trône. Amen. Quand les deux se sont rencontrés, les choses ont changé. Jonathan a eu le discernement. Il a enlevé la ceinture là. Il a fait passer sa ceinture. Tiens ça. En temps normal, après un roi vient le prince. Il a légué le pouvoir, la royauté à David. David. Quand David a pris le trône, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison de Saül à qui il a envie de faire du bien à cause de Jonathan? On dit oui. Il y a Mephibosheth qui était à l'Odéba, qu'on appelle maison d'oubli. Ils sont allés le chercher, il était infime, le cul des pieds. Il est venu manger à la table du roi. Et c'est lui qui a pris tous les terres de ses pères. Amen. Parce que un acte a été posé. Frère, si tu veux avoir un avenir glorieux, il faut éviter de faire des choses. Parce que ça peut te rattraper. Because en bien comme en mal. Good or bad. Tu apprends le prophète Rassé. On dit celui qui ligne tous les sorciers. C'est la chose la plus vraie. Si tu veux pas haut, tu veux, c'est ce qui est vrai. It is what is true. C'est comme ça. Il n'est pas cherché, je dis que malgré ça. Tu n'as pas peur d'un sorcier. Maintenant, sorcier est en train de te manger. Tu es devenu mec. Ils ont déjà tout mangé sur ta tête. Imagine comme ça. Le sujet qui t'a eu le problème là. And you are about to die. Le voici. And now you meet the prophets. Pour mes dos. Le monde a mangé. Mais tu as posé un acte. That you have an action. That's why we never know. Avant d'agir, faut réfléchir. Before acting, you need to think. L'avenir là, c'est demain. The future is tomorrow. What you did today. Et souviens-toi de moi. Très bien. À cause de ce qu'il a fait. Because of what you. Il va rentrer dans la mémoire. Moi, je m'en rien fait. Je me souviens de toi. Keep in memory. C'est ça. Il faut poser des actes. S'il n'avait rien fait, comment je ne sais pas se souvenir de lui. Comment allez-vous se souvenir de lui? J'espère qu'on comprend bien. Mais vous allez comprendre où je vais revenir. Où je vais arriver tout à l'heure. Je suis en train de parler de l'avenir. Demain, tout se prépare. Tout se prépare. I'm talking about the future. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Très bien. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici,
il y avait aussi dans mon songe trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les trois corbeilles sont trois jours. Encore trois jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi. Te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Amen. L'autre, il y a un son qui nous expliquait quand même les morts, mais pour dire, il allait quand même expliquer les dons des trucs. Ça dépend de ce que le Messie a fait. Amen. This depends on what the man did. Chapitre 41. Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici cette marche belle. Je veux que tu poursuives. Il faut pousser la lecture. Poursuive, on va comprendre. Parce qu'on a. Oui, poursuive. Au 21, chapitre 40, à partir du verset 21. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons. Il a rétabli. Pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon. Très bien. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il a oublié. Il oublia. Très bien. Allons-y. Chapitre 41. Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, cette vache belle à voir et grasse, les chairs montaient. Vous savez pourquoi il a oublié Joseph? Do you know why he forgot Joseph? Parce qu'il ne voyait pas son utilité. Because he didn't see his importance. Non, il ne voyait pas son utilité. He didn't see. Je vais parler de Pharaon. I want to talk about Pharaon. Il m'expliquait un rêve. Ça s'accomplit. Tu vas sortir, je ne connais pas ton utilité. I don't see. Très bien. The importance. Il va voir l'utilité de Joseph tout you à l'heure. See now the use. Il faut que les gens connaissent votre importance. People must know your importance. C'est pas mon bandier de fer. C'est pas un murmurant. C'est pas un injurant. C'est pas en voulant vous combattre quelqu'un. Non. Ça vient seul. Il pouvait parler, il a oublié. Mais regardez ce qui va se passer. Look, what will happen? Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, se tenait près du fleuve. Et voici cette vache belle à voix et grasse de chair montait hors du fleuve et se mit à paître dans la prairie. Cette autre vache laide et voix et maigre. À voix et maigre de chair montait derrière elle, hors du fleuve, et se tint à leur côté, sur le bord du fleuve. Les vaches laides, à voix et maigre de chair, mangeaient les sept vaches belles, à voix et grasse de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Second songe. Voici cet épi gras et beau montait sur une même tige. Et sept épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors, le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Il les a coincés. Moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements
et se rendit vers Amen. Tous ceux qui t'ont oublié vont te répondre. Je dis Amen. Je prie que tous ceux qui t'avaient oublié, qui t'avaient oublié de payer ta dette, vont commencer à se souvenir de toi. Ceux qui t'avaient oublié de payer ton argent, ceux qui t'avaient oublié de payer ta dette, vont commencer à se souvenir de toi. Alléluia. Il te sortira de cette prison propre. Honoré. Amen. Amen. Qu'il nous avait donné. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit prendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Très bien. Maintenant, on voit son utilité. Il faut être utile quelque part. Il faut chercher à être utile. Try to be useful for more. Si tu es balayeur, toi tu es le meilleur balayeur. Be the best sweeper. Après que si on t'en est de service, qu'on trouve que non, c'était le meilleur. Ils avaient oublié. C'est pas toi qui devais l'envoyer. Dis Amen. Faut pas être un balayeur en train de murmurer. You must not be a speaker. Fais ton travail proprement. Do your job. Il faut marquer ton patron. Il faut marquer les gens. Après que les gens puissent vraiment tous se souvenir de toi. Remember you. Mais ne sois pas en conflit avec eux. But do not be in conflict with them. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse par toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Voici un homme qui prouve que Joseph avait l'esprit de Dieu. Est un homme qui avait la crainte de Dieu. Il s'est glorifié, il n'était pas orgueilleux. Il reconnaissait que c'est Dieu. He recognized that it was God. Sa connexion avec Dieu. His connection with God. Pharaon dit à Joseph, dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici cette vache grasse de chair et belle d'apparence montait hors du fleuve. Et se mit à paître dans la prairie. Cette autre vache montait derrière elle, maigre, fort laide d'apparence et décharnée. Je n'en ai point vu d'aussi laide dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangeaient les sept premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçoive qu'elles y étaient entrées et leur apparence était laide comme auparavant, et je m'éveillai. Je vis encore en songe cette épis pleine et beau qui montait sur une même tige, et cette épis vide, maigre, brûlée par le vent d'Orient, poussait après eux. Les épis maigres engloutirent les sept beaux épis. Je le dis au magicien, personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les sept vaches belles sont sept années. Alléluia, vous comprenez? Quand on a l'Esprit de Dieu, on connaît, on essaie les choses. C'est pour ça que je dis, il faut que nous gênons, nous prions, pour que Dieu nous donne son esprit, pour que nous puissions, n'est-ce pas, comprendre les choses qui nous arrivent. Il avait l'Esprit de Dieu, il a compris l'explication de l'Esprit, il a compris. Il fallait lui, quelqu'un qui a l'Esprit. Aucun d'entre eux ne pouvait expliquer. No one of them. Donc si tu as l'Esprit de Dieu dans ton entrée, là où tu es, dans ton service, Dieu te donne cette capacité de pouvoir résoudre les choses. Et les païens n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Toi, tu as l'Esprit de Dieu. You don't have the Spirit of God. You can do it because you have the Spirit of God. Les sept années, les sept vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont sept années. Et les sept épis vides brûlés par le vent d'Orient seront sept années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Sept années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Est-ce que vous comprenez un peu la lecture? Je vais vous expliquer. Non, vas-y. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance du pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Amen. Et que Dieu se hâtera de l'exécuter.
Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qui le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes. Sa compétence va sortir devant Pharaon. De l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. C'est son CV qui est en train d'être présenté à Pharaon. Il la connaissance en économie, en gestion, va être présentée à Pharaon. On dit Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Alléluia, que Dieu nous aide. Amen. Oh, alléluia. Que nous prions l'Esprit de Dieu. Allons-y. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Amen. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu. Très bien, alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer? Pharaon a dit, celui-là est en lui l'Esprit de Dieu. The Spirit of God. Après, les gens ont des difficultés de vous écouter parce que vous n'êtes pas sage. Les gens doivent reconnaître que ce que vous dites, vous avez dit, c'est de Dieu. Is from God. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage. Alléluia. Il n'y a personne. Nobody. Je t'établis sur ma maison. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Parce que je peux acclamer le Seigneur. Un prisonnier. Tout mon peuple obéira à tes ordres. Tout mon peuple obéira à tes ordres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est l'homme qui fait l'or. L'élévation de Joseph est venu de l'échier. Et comme il avait marqué le gars. Il y a des gens qui marquent les gens négativement. Some people. Frère, il faut chercher à marquer les gens positivement. Dis Amen. Positive. Amen. Marquez les gens positivement. Qui retient les bonnes choses de vous? Qui n'est pas mauvais souvenir de vous? Qui fait les bonnes choses de vous? Only get the même si vous oubliez aujourd'hui, ils s'en souviendront un jour demain. They remember tomorrow. C'est ce qui a aidé Joseph. Vous comprendre quoi? Qu'est-ce qu'on va tirer de ça? What we must. C'est l'homme qui fait l'or. The world is the one who makes. Il faut avoir you need to have le discernement de l'opportunité. Of opportunity. Amen. Amen. Les gens n'ont pas ça. People do not have it. Ils n'ont même pas ça. People do not have it. Il va m'aider. Il va m'aider. Ah, c'est bien sûr. Frère, il ne va pas venir avec un homme. Il va pas dire l'ange Gabriel. Viens. Not saying. Descends, Divo. Gabriel, angel, come. Va prendre le frère dans l'église. Descends, Divo. Va le sortir de l'église. Mets-le sur si tes ailes. Taking. Avoir le plateau. Comme un trappeur. Déjà quand tu vas comprendre qu'il y a les ailes. Be afraid. Tu vas t'avancer. Tu auras peur. Non. Be afraid. Dieu s'adapte à nos choses. God is accepting. Amen. Non. Il envoie un. Il envoie quelque chose. Il envoie quelque chose. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Mais, ce n'est pas de la faute de certaines personnes. Hein. Joseph avait quoi? L'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? The spirit brother? Of Amen. Yeah. Brother? C'est ça. Okay. Or, l'Esprit de Dieu, on appelle l'Esprit de vérité. Was called the spirit of qui vous montrait le chemin à suivre. Show you the right way. N'est-ce pas? Pourquoi les gens n'ont pas le discernement des opportunités? Parce que l'Esprit de Dieu n'est plus en lui. People do not have the Spirit, the discernment. Pourquoi? They do not have. Parce que nous sommes le temps. Of God, because we are the temple of the Holy Spirit. Nous sommes le temps. We are the temple of the Holy Spirit. Nous sommes le temps. We are the temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians 12:7. We agree. 1 Corinthians 12:7. 1 Corinthians 12:16. Corinthiens 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous êtes le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Que l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous suivez?
Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Alléluia. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. We are the temple of the Holy Spirit. Tu es le temple du Saint-Esprit. You are the temple of the Holy Spirit. Et tu vas prendre de la drogue, de la cigarette. Dans les bars, dans les trucs, tu détruis ce temple du Saint-Esprit. Dieu va te détruire aussi. Will destroy. Ce temple-là, on doit le protéger. Need to be protected. Dis amen. Say amen. Amen. Donc, si tu n'entretiens pas, if you do not, tu ne considères pas l'Esprit de Dieu, do not consider, il va te battre. Il va partir. C'est lui is the one qui donne la connaissance, the knowledge pour discerner les opportunités. Il n'est plus là. To see, ce serait que d'autres personnes ne savent pas. Les choses ne réchappent. Frère, si vous voulez avoir la faveur de Dieu sur vous, to have God's favor on your life, il faut respecter le temple du Saint-Esprit. And then to respect the temple of the Holy Spirit. Dis amen. 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 Le temple du Saint-Esprit. The temple of the Holy Spirit. Il faut respecter les choses sacrées de Dieu. Respect sacred things. C'est que le temple, j'ai parlé de ça tout à l'heure. Un endroit où Dieu réside. Place, the temple where God lies. Lies. Don't joke with it. Un endroit où vous voulez prier. Ne jouez pas ça. Don't joke with it. Si ça ne t'intéresse pas, if you don't ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est plus en toi. It means the Spirit of God is no more in you. Un homme de Dieu, the man of God, quel que soit ce qu'il est, no matter what, quel que soit son caractère, no matter his fear, tu as fait à lui, your heart and Dieu se met à ses côtés. God will be by his side. C'est comme ça que Dieu est. C'est tout. God will be by his side. Si tu veux, combat-le, mais tu ne pourras pas vaincre. Overcome God. Un homme de Dieu, a man of God, quand c'est un symbole, un truc sacré de Dieu, pourquoi avoir peur de ça? N'ose même pas avoir affaire à ça. Be afraid. David, David, il a eu son ennemi saillé dans une grotte. So, attends de dormir. Home, mais il a dit, je ne toucherai pas à cause du fait que Saül a eu l'onction. Il a servi anointed, loin de moi de le toucher. Combien de fois d'autres personnes sont là en train de critiquer les hommes de Dieu? Tous leurs pensées, c'est de rentrer en conflit avec Dieu. Créer les problèmes. Trouble. Mais Dieu voit that God, l'Esprit de Dieu en fuit. That the Spirit of God. Et quand vous allez déclencher le combat, Dieu se mettra au côté de son serviteur. Celui qui l'a appelé, il est obligé de le protéger. The side of his c'est comme ça Dieu est. That's the way c'est comme ça. God is. Comment tu peux rentrer dans une église how can you enter a church et tu n'éteins pas ton portable? And you do not put your mobile on. Un endroit sacré. A holy place. C'est là pour ta compte. Your mobile phone is ringing. Allô? Je suis à l'église. Mes frères. Hello. Ma soeur. At the church. Tu rentres à l'église, tu éteins ton portable. Éteins-le. Put your mobile off. C'est un lieu sacré. It is. Tu as connexion avec Dieu. Ferme. You connect. Les gens s'apprennent. God. Ta bénédiction dépend de Dieu. Your blessing belongs to God. On n'a aucune considération. But we do not have tu viens à l'église, tu marches dans. Voilà. 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 Quand tu finis, tu colles dans la chaîne. Bah. Oh. Mais c'est fini, l'Esprit de Dieu. Parce que tu ne considères même pas. Même un balai. Tout ce qui appartient à Dieu. Respectez ça. Respectez ça. C'est sacré. C'est sacré. It is hallowed. Tu ne peux pas venir dans un endroit comme ça. You cannot come in. Vous venez chercher ça. Come in. Mais c'est sacré. Girls. La partie sacrée, la couche de tu veux que Dieu sorte ici. To come out. Tu veux que Dieu quitte le temps. C'est sacré, frère. It is hallowed, brother. Dieu est ici. God is here. Les interdits peuvent éloigner Dieu ici. Forbidden things. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans un endroit de Dieu où Dieu réside. Quand quelqu'un fait ça, on doit le mettre sous discipline. On doit le mater parce que la partie sacrée, il a violé ça. Si Dieu n'est plus là, nous sommes quoi? Nous devenons quoi sans Dieu? Frère, il devient quoi sans Dieu? C'est ça. That's it. Tu deviens quoi sans Dieu?
sauf là que les choses de Dieu doivent vous intéresser. Les choses de Dieu doivent vous intéresser. Vous devez payer. You must watch. Ne soyez pas indifférent. Don't be. Vous devez veiller sur les choses de Dieu. Si tu es indifférent, Dieu sera indifférent vis-à-vis de toi. Different from you. Ce n'est pas un ange à venir surveiller ici. Tu ne verras pas. You know, see. Tu n'auras pas le discernement des opportunités. You know of some gods. Tu es qui pour parler mal à un homme de Dieu? Are you to talk about the bad man of gods? Tu as quel droit? Tu es qui? Pourquoi les gens? Ça leur retombe que plus tard ils ont les malédictions. Ils savent pas d'où ça vient. Mais le fait que tu insultes même un homme de Dieu sur même internet, un mauvais commentaire, c'est une malédiction. Si tu ne crois pas, ça c'est ton problème. Chaque homme de Dieu a son histoire. Mon histoire a dit vos suffit pour que vous croyiez à moi seulement. Si Dieu n'est pas moi, je ne serai pas là où je suis arrivé aujourd'hui. Quittez d'un bruce, allez faire le tour du monde. J'ai invitation en Australie. J'ai invitation au Japon. C'est moi qui garde un peu, vous allez voir le monde entier. Je suis suivi par 238 pays dans le monde. Quel sorcier qui m'a pas attaqué, ça n'a pas marché. Tous ceux qui ont voulu ma vie sont morts. All those which have been are dead. Un homme comme ça, tu l'attaques? Tu oses même parler mal de lui? How can you mais ton avenir, tu as les problèmes. Dieu s'en fout. Don't think so. De ce qu'il est, comment il est. Okay. Mais Dieu a vu tout ça, puis il a appelé grâce. Amen. Amen. La preuve, quand il m'a dit qu'il faut quitter Abidjan, aller en bouche, il a vu en bouche. Toi, il va le faire. Les choses de Dieu ne jouaient pas ça. Tel que le maire, tel que le préfet, tel que les hommes, que Dieu est élevé en dignité, c'est écrit dans la parole de Dieu. Dans Romains, on dit qu'aucun sort nous oppose aux autorités. C'est pour ça qu'il respectait les autorités. Si il va chez le maire, il va lui dire monsieur, comment il s'appelle monsieur Amédée, c'est le prophète Crasso. Déjà voir chez nous. Monsieur le no. ministre, monsieur, the minister, avec beaucoup de politesse, je dois l'honorer. Honor him. Parce que Dieu me dit de l'honorer. Amen. To honor him. Moi, fait des prophètes à sa l'église. The title of prophet is a church. Mais chez lui, je lui dis son discours, mon camarade. Il décide, mais parce que Dieu veut qu'il soit meilleur. On dit, allons-y dans des. Vous savez, tu vas vous mettre en conflit avec les choses symboles de Dieu. Frère, brother, si toi, if you tu vois quelqu'un see someone brûler le drapeau de la guerre, qu'est-ce qu'il cherche? Never call him one. Quel mort? La guerre. La prison. Toi-même, tu vas le frapper. Toi-même, tu vas le frapper. You beat him. C'est mort. Délicat. On ne brûle pas un drapeau. We don't burn it. C'est pour ça qu'on n'insulte pas le nom de Dieu. We don't burn it. On n'insulte pas un préfet. On n'insulte pas un président. Malheureusement, on est toujours dedans. On est dedans. En train d'injurier les gens. Always injuring. Et je ne suis pas en train de faire la politique. I'm not. J'explique les choses claires. Le jour où un prophète ou un homme de Dieu va aller chez un président, vous dites, monsieur le président de la République, je suis venu. Je n'aime pas voter. Je suis venu pour qu'on vous tue. Le Seigneur le premier tue. Amen. To be killed. It will be the first one to be killed. Oui. Il va le tuer. Tu vas venir faire quoi? Il va le tuer. Si tu ne l'aimes pas, if you don't love him, il est président. He's president. Mais il mérite un respect. But you need to respect him. So, ce qui est politique, c'est politique. Posez-moi les questions sur la sorcellerie. Je suis mieux placé pour répondre. Il y a trop de sorcellerie. Il y a des problèmes à amener à sorcellerie. Amen. Pourquoi m'amener là-bas? Je ne suis pas là-bas. Tout ce que j'ai fait, c'est de prier Dieu. Laissez-moi les tous pour changer la destinée d'une nation. Ça ne peut pas changer la destinée d'une nation. Au contraire, c'est mes genoux qui peuvent changer la destinée d'une nation. C'est ça que Dieu m'appelle. Pas de venir injurer les gens. Pas de injurer les gens. Allons-y. Chapitre 13. Verset 1 à 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Toute personne, que tu sois pasteur,
que tu sois prophète. Toute personne, soit soumise aux autorités supérieures. C'est celui qui est élevé sur toi, ton pasteur, ton leader, ton patron de service. Soumets-toi à lui. Must be submitted to him. C'est tout. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Même s'il est franc-maçon, il n'y a aucune autorité qui vient de lui. Dieu ne regarde pas la partie des francs-maçons. Dieu regarde la partie où il dirige. C'est fini. Not the same, the way, the place he's guiding. He's leading. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Elles ont été instituées de Dieu. And the authorities are taught by God. Mais les gars sont des francs-maçons. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité. J'observe que celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. Alléluia. C'est que quand quelqu'un fait ça pour lui dire, that's why when someone is behaving like that, we reward him and say, don't do that. On ne parle pas mal à un chef. We don't talk badly about Dieu. God. Dieu. God. C'est la monarchie. It's monarchy. On parle pas mal à eux. We don't talk badly about him. This kingdom. This law. Les disciples ont bien dit. Nous sommes dans un peuple monarque, c'est-à-dire un royaume. La Bible appelle ça un royaume. La loi, c'est la monarchie. On ne s'élève pas pour insulter un responsable. We cannot endure a responsible like that. Nous devons avoir cette éducation de l'homme. We need to have that education of the kingdom. Ton pasteur qui parle, ton pasteur qui parle to you, and you don't answer. Un patron, il voit quelque chose qui n'est pas en ordre, il parle. Can see something in disorder and doesn't stop. It means he's not the boss. Au moins, il a besoin d'étudier. Sometimes he needs to shout. Il n'aime pas ta tête. It's not that he doesn't love you. Que ça soit bien fait. That he would like to be in the right place. That what is the lesson that we get? Il veut que les choses s'améliorent. He would like things to get better. Donc si tu comprends mal avec lui, if you behave badly with him, faut pas dire que les sorciers t'ont envoyé. Don't tell them that. Plus tu seras en conflit avec lui, il va te chasser. C'est pas sorcier. Taken out, you out. Parce que ton avenir dépend de lui. Because your future belongs. C'est lui qui te paye. It's from him. It's the one who's paying you. À toi, tu dois tout fait pour être en harmonie. You need to do everything to be in harmony. Qui a créé la terre? Who created the earth? Dieu. Moi, je ne me lève pas matin pour dire que je m'avais pris cette terre. C'est pas toujours l'éternel qui a créé les cieux, c'est la terre. Allons-y, l'église, choisissez le terrain. Je cherche à avoir un conflit, je vais me mettre en conflit avec les autorités de la ville. Frère, il faut les respecter. Brother, respect them. On dit que la terre appartient à la Côte d'Ivoire. Je mets une autorité. Just non, ça va être au Seigneur d'abord. Non, frère, faut laisser un peu le Seigneur. Faut descendre sur cette terre. Come on, va négocier avec eux. Go negotiate with them. Dieu va toucher les cœurs. Dis amen. Plus que ça lui a pâté la terre, il touchera les cœurs. Heureusement qu'on a un propriétaire terrien. Ici, le voici, propriétaire de terre. Le propriétaire de terre, il dit, le voici. Celui qui nous a donné les terres. Mardi, on aura filmé. Notre point, on va construire l'église. J'ai 2000 ce mardi. Je suis parti avec mon service de communication. Ce mardi matin, on ira. On va parler de ça demain. 200. Voilà, c'est là où on va poser la première pierre. On aura une autre. On aura un complexe hôtelier là. On aura un supermarché. On aura toute l'église de 2000 places. Moi, je rêve. J'ai eu mon rêve de construire l'orphelinat. Ça s'est réalisé. Ce rêve là-bas s'est réalisé ici à Toulouse. Je priais. I was praying. Dieu l'a touché. And God touched him. Je disais non. If I said no. Cette fois-ci là, non. This time. La terre appartient au Seigneur. The land belongs. Je ne vais pas, Seigneur. The Lord. Tu es où? La terre. Ça appartient à qui? Pas pour Dieu. Who does this land belong to? La terre appartient. Go mission. Que Dieu te bénisse. Amen. God bless you. Frère, soyez réaliste. Brother, be realistic. Amen. Si tu ne le respectes pas. If you do not respect, l'esprit de Dieu te quitte. The spirit of God will leave. C'est pour cela que beaucoup n'ont plus l'esprit de Dieu. Too many people do not have. Ils sont conflits avec leur patron, ils vont sorcellerie. With their boss. Même si tu as mal parlé, respecte. He did not talk to you. Qu'est-ce que tu as fait qui n'a pas marché? You have to know what you did wrong.
Parce que si tu veux l'élever, Dieu passera par lui pour l'élever. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc tu es obligé de t'attendre avec lui. Ce qui a plu à Pharaon, c'est ce qui était en Joseph. Si tu ne connais pas, if you don't tu vas commettre des erreurs. Commit some mistakes. Donc, mon patron, tu vas toujours le problème. So mais Moïse avait beaucoup de Joseph, il avait beaucoup de choses en lui. Had too many things. La gestion. How to lead. Il savait gérer les terres parce qu'il a pris sa chèvre. How to master the land. Il a géré la maison de Potiphar. He even worked for the house of Potiphar. Tout ça, c'est en lui. Everything was him. Il présentait son CV. And he was just showing. C'est pour ça qu'il allait apprendre. It's correct. Étudier. That's why you need to go and study. Amen. Amen. Je cherchais quelqu'un qui vient m'apprendre les ressources humaines. I was looking someone. J'ai trouvé quelqu'un maintenant son numéro. Il va m'enseigner comment gérer. You know the resources. L'histoire, parce que moi j'avais appris un peu le subord quand j'apprenais l'étude en hôtellerie. Mais je suis maintenant responsable des gestes d'une entreprise. Je dois connaître. I need to know. Amen. Thanks. Je ne veux pas dire, Seigneur, je dis, ouh, le Saint-Esprit, donne-moi. Frère, il y a des gens qui ont cette connaissance, ils vont aller à l'école, il faut les payer, ils vont te l'apprendre. Et les gens, ils sont tout esprits, ils vont être tout en combien. Amen. Amen. Il avait quelque chose en lui. He had something. Et c'est ça qu'il a regardé. Puis tu mérites cette place. La place est mérite. Si tu veux être un responsable, ça se mérite. Qu'est-ce que tu es en toi? C'est ça. L'avenir. Vous voulez que Dieu mérite le futur. Mais ça dépend de ce que tu as maintenant en toi. Tu n'as aucune connaissance. Si tu as. Les gens veulent travailler, ils n'ont pas de diplôme. People like to work as they do. Mais ils veulent faire commerce, ils connaissent pas commerce. Après, pour la paix, ils disent. Je vais te donner 200 000. Mais tu veux faire quoi? Après, il a dit, c'est qui je suis? Ça a marché. Il est le génie. Il a attaqué tous les sociétés. Les choses sortent. Laisse le commerce. Frère. Brother. Faut arrêter ta comédie. Stop. C'est de la comédie. This is nonsense. Quand tu veux faire le commerce, if you want to, il y a ce qu'on appelle le capital. Take the business of trade. Que tu mets dedans. Then it came quand tu mets dedans, starts, tu vas gagner combien après? And what will get out of it? Tous les jours, tu gagnes combien pour faire ressortir le capital et le bénéfice après? C'est ça que quelqu'un veut connaître? The benefit of. Non, le Saint-Esprit est là. No, the Holy Spirit. Quand j'allais vendre mon claflo, il y a un lieu du prophète. Je mets près du claflo. Ils vont venir. C'est la magie. Arrêtez ça. By my side. Amen. In my Amen. Arrêtez ça. Stop it. Arrêtez ça. Stop it. Il faut apprendre à connaître le clapot. To know. Et propre. L'autre, c'est qu'elle fait, là, toi tu fais, c'est qu'elle ne fait pas. It par exemple, tu prends les vitres, elle ne met pas ses clapots en vitre, toi tu mets pour toi en vitre. Les gens, là, ça les interpelle, vous dites, people, la dame elle est blanche. Vous avez compris? Mais elle est responsable ses clapots. Toi tu vois, mais c'est même chose. Hein? Il n'a pas de raison à changer. Hein? Il va aller dans son ancien coin. Mais il doit comprendre que la tente qui vient de s'installer, c'est tout son vitrine, bien, les poissons sont propres, et il y a parachute, et il y a de l'eau, il y a de water, mais c'est qui m'attend? Every kind of dose. Tout est rempli. Attends, préparez tout, remplissez tout pour attirer la grâce de Dieu. Prepare everything to prepare the grace. Vous voulez de l'avenir? Attract the grace of God. Commencez à construire votre avenir maintenant. You want future? C'est pour ça que envoyez vos enfants à l'école. Ils n'ont qu'à aller apprendre. Injecter l'argent qui s'est injecté dedans. Tu ne connais pas quoi aller apprendre. C'est pour ça que Dieu ne vous bénit pas. God is not si tu veux que Dieu t'ouvre les yeux, God, il faut respecter les symboles. Respect the symbols of God. Si une fois que quelqu'un fait une église, needs, Dieu son esprit le quitte. May God leave quand church. Tu veux faire une bêtise dans une église, if you come and do something nonsense, ça te quitte. The Spirit of God can leave you. Lorsque tu joues un bon membre de l'église, l'Esprit de Dieu va. Sauf que les gens n'ont pas le discernement de l'opportunité. Le Saint-Esprit n'est plus là. People do not have the discernment. On va poursuivre l'enseignement demain, le dimanche prochain. Est-ce qu'on va quand même le 50? On va poursuivre l'enseignement.
notre seul à Dieu. He our faith to the Lord. He's the only one who can help us. Nous prions le Seigneur. We pray the Lord. Pray the Lord. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Merci. Spirit. N'est pas chassé l'esprit. Not to chase the spirit. Au nom de Jésus. In Jesus' name.